Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du mercredi. C'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'aventure d'une famille presque zéro déchet. Bien sûr, tu peux retrouver toutes nos aventures ainsi que les diverses astuces, recettes, etc. Sur le blog The Family Cocotte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente deux livres qui ont eu aussi une importance dans ma découverte du zéro déchet. Alors, un plus que l'autre, mais je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais mettre en avant deux livres de mes lectures sur le thème du zéro déchet. Alors, le premier livre que je vais mettre en avant, c'est celui-ci, le livre « Zéro plastique, zéro toxique » écrit par Aline Gubry aux éditions Thierry Soucard. Alors, c'est un livre que j'ai eu plaisir à découvrir puisqu'en fait, il est clair. C'est très bien expliqué, si je puis dire. Il y a plusieurs points pratiques où l'on peut mettre en place des actions. Donc ça, j'ai vraiment aimé la facilité de lecture et la facilité de mise en place en fait d'actions simples que Aline explique. Par contre, alors c'est vrai que sur la couverture ici, 101 astuces et do it yourself. Alors do it yourself, moi j'utilise très peu de do it yourself. Il faut savoir que dans la majorité, mais alors je dis bien la grande majorité, donc 99% du temps, j'utilise des produits bruts. Par exemple, il y a quelques années, quand j'ai entamé ma démarche zéro déchet, on a enlevé par exemple les pastilles de la vaisselle. Et pour les enlever, bah, qu'est-ce que humainement on veut faire? On veut les remplacer. Donc, comme peut-être beaucoup de personnes, j'ai regardé comment je pouvais faire pour ne plus acheter les pastilles de la vaisselle, mais pour les faire moi-même. Sauf que je me suis rendu compte que déjà, il fallait d'une, des produits différents que je ne trouvais pas toujours en vrac, de deux, que ça me demandait du temps, et en plus qu'au niveau efficacité, j'étais pas forcément à 100% ok avec le résultat. Et donc ça, c'est pour la partie hein, do it yourself, parce que je préfère utiliser vraiment les produits bruts. Il faut savoir que maintenant pour le lave-vaisselle, j'utilise une cuillère à café de cristaux de soude que je mets directement dans le compartiment de lavage du lave-vaisselle. Pour le compartiment rinçage, je mets directement du vinaigre. Donc ça me demande zéro temps. Et ben, en plus, je trouve ces produits en vrac. Et ben, concrètement, en plus, c'est écologique, économique. Enfin bref, tout ce que l'on veut retrouver dans le zéro déchet. Sur ces lectures, alors Aline, elle a beaucoup de choses qu'elle met en avant par rapport à ce que moi j'utilise vraiment au quotidien. Par exemple, faire le démaquillant maison, ça c'est pareil, le démaquillant je ne le fabrique pas, j'utilise directement une huile végétale pour me démaquiller. Il y a pas mal de choses. Alors tout ce qui est astuces, c'est sympa parce que par exemple quand on va prendre, donc au niveau du sommaire en plus c'est bien répertorié. On a, je vais prendre la première page. Alors par exemple, j'adopte l'inox comme matériau préféré dans ma cuisine. Donc ça par exemple, je sais que chez nous, on a déjà fait le tri. Bon bah hop, si par exemple l'astuce numéro 1, c'est validé, c'est checké, si je puis dire, chez moi, et bah, je peux passer à l'astuce numéro 2. Alors moi, je sais que j'ai fait, par curiosité, la lecture entière, même des astuces que j'avais déjà établies chez nous. Mais voilà, je trouvais pas mal de pouvoir avoir une autre vision aussi. Après, ce livre n'a rien révolutionné dans ma démarche zéro déchet, puisqu'en fait, on a commencé notre aventure il y a 7 ans maintenant. Et c'est véritablement un livre plutôt pour les novices. On va passer au deuxième livre que je vais te présenter aujourd'hui. Et là, véritablement, c'est une pépite. Aussi bien pour les personnes novices, comme les personnes qui ont entamé leur transition ou qui se sont déjà bien avancées,
Il y a vraiment une mine d'informations, c'est juste dinguissime, un travail de fou. Et en plus, c'est fait avec humour. On va retrouver le livre Famille en transition de Famille presque zéro déchet. Donc, on retrouve le livre Famille en transition écologique, écrit par Jérémy Pichon avec les illustrations de Bénédicte Moret. Je les adore. Et ce livre, il est vraiment génial parce qu'il va vous apporter des clés qui vont au-delà de son habitat, de ses habitudes, de ses simples habitudes en fait. D'aller par exemple les habitudes de faire des courses, de comment par exemple limiter les déchets avec les enfants, nos achats, etc. Là, il y a vraiment en plus c'est appuyé par rapport à des études. Donc il y a un travail, comme je disais, de dingue, parce que le fait de relever toutes ces études, de les comprendre et de les retranscrire, faut quand même y aller. Mais ça permet au plus grand nombre d'entre nous de comprendre qu'en fait, notre impact en tant qu'individu, alors certes, chaque petit geste compte, mais en fait, au-delà d'aller chercher ses courses en vrac, avant même de faire ce geste éco-citoyen, eh ben, on ferait mieux tout simplement de regarder le classement de sa banque. Et oui, votre compte bancaire a un impact puissance maximum par rapport à votre sac à vrac quand vous allez chercher vos courses. Alors on va pouvoir trouver toujours ces superbes dessins par Bénédicte. J'adore le côté BD, enfin, je trouve ça génial parce qu'en plus ça a un côté un petit peu plus fun, enfantin et jeu si je puis dire. J'aime bien toujours associer le zéro déchet à un challenge, une aventure, à un jeu avec des objectifs. Un petit peu comme le petit pousset qui va semer ses cailloux, et ben on va pouvoir semer chaque geste pour faire quelque chose de beaucoup plus global et qui va vraiment pouvoir avoir un impact important. Alors je vais quand même te retrouver, voilà, tout à l'heure je te parlais donc de l'impact par rapport à nos comptes bancaires, et ici, alors c'est hyper simplement résumé, c'est qu'en fait il y a un classement par rapport aux banques éthiques ou pas et aux banques qui polluent ou pas, parce qu'il faut savoir que quand tu as ton argent à la banque, et bah ta banque, elle s'en sert pour faire autre chose. Et ces autres choses peuvent être des projets hyper, hyper polluants. Et en fait, bah moi, j'ai pas envie que ma banque se serve de mon argent pour faire n'importe quoi. Un autre sujet aussi que l'on aborde peu, mais qui commence à faire son bout de chemin, ça va être son fournisseur d'électricité. Il faut savoir qu'il y a une masse importante de fournisseurs d'électricité en France, et en fait il faut avoir conscience que toutes les énergies ne se valent pas, déjà d'une, que toutes les énergies vertes ne se valent pas. Pour ma part, j'ai choisi un distributeur d'électricité verte française, et ça ne me coûte pas plus cher que mon abonnement et ma consommation électrique que j'avais il y a encore quelques temps, qui est le grand fournisseur électrique français. Ce livre, je le recommande vraiment à tous, que l'on soit novice ou pas, comme je le disais précédemment. C'est une lecture qui s'est faite en plusieurs jours, parce que comme il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de chiffres, des résumés d'études, etc., pour bien assimiler le tout, il vaut mieux prendre son temps à la lecture. Et puis, moi par exemple, je vous parlais de la banque, et ben tout de suite, je me suis renseignée, j'ai regardé pour ma part comment je pouvais faire, si je changeais, ou enfin, comme ça, ça me permettait d'y aller point par point plutôt que de faire de la lecture et de me dire « Ah, ça c'est chouette !» et puis de ne pas y revenir. Donc, par rapport à ma lecture, j'y vais palier par palier en regardant ce que je peux mettre directement en action avant d'aller sur une autre information et éventuellement un autre changement à apporter dans mon mode de vie. Tu pourras trouver ces livres directement sur les sites internet donc de Aline Gubry et de la famille
presque zéro déchet. Je te mets le lien juste en dessous, là. Sinon aussi, bah, directement chez l'éditeur. Donc on est aux éditions Thierry Soucard. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça te permet aussi de découvrir des nouveaux auteurs et de nouveaux livres zéro déchet. Si t'as aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Pour t'abonner, c'est juste ici. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao !